Bonjour. Dans cette capsule, je vais vous parler d'un autre cas clinique qui a laissé des traces dans l'histoire de la psychologie et également des neurosciences. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cas de Phineas Gage, comme c'est marqué au niveau du tableau. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce monsieur Gage, on va passer par, encore une fois, par un PowerPoint. Je vais déplacer mon image, ça va être plus facile. Alors, comme je vous le disais tout de suite, Phineas Gage, un cas classique quand vous parcourez l'histoire de la psychologie, mais également quand vous vous intéressez un petit peu aux neurosciences. Alors, Phineas Gage, contrairement à d'autres patients qui vont avoir que des numéros de code ou des initiales, il n'a pas connu l'anonymat. On l'a toujours appelé Phineas Gage. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas, on n'avait pas conscience de l'anonymat, de ce que ça pouvait apporter. Donc, on n'a jamais eu de nom de code pour Monsieur Gage. À l'âge à peu près de 25 ans, il travaille dans l'élaboration des chemins de fer aux États-Unis. Il est considéré comme quelqu'un de sérieux, de travailleur, un bon meneur d'hommes, etc. Son rôle spécifique pour les chemins de fer, c'est tout simplement de faire exploser un petit peu tout ce qui peut gêner, toute la rocaille qui peut gêner le passage de la ligne de chemin de fer qui est en construction à l'heure actuelle. Lui, ce qu'il doit faire, hein, c'est creuser la pierre, mettre de l'explosif et puis tasser un petit peu cette explosif-là avec une barre à mine. Le jour de l'accident, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où il est en train de tasser la poudre, il va être déconcentré par quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, la barre va frotter sur une pierre, va produire une étincelle. Et à ce moment-là, il va y avoir une explosion. Donc, le tout explose à proximité, évidemment, de Phineas Gage. Ce qui va se passer, c'est que la barre avec laquelle il tassait la poudre va lui rentrer au niveau un petit peu en dessous de la bouche, au niveau de la gorge ou de la joue, oui, de la joue, pardon. Ça va passer au niveau de la joue gauche et ça va traverser comme ça, ça va passer au niveau de l'œil, donc il va perdre évidemment son œil gauche et ça va ressortir par le sommet du crâne. Donc, oui, c'est une grosse problématique, c'est quelque chose de dramatique. Qui plus est, au milieu des années 1800. Donc, vers 1860, on n'a pas les possibilités chirurgicales qu'on a à l'heure actuelle, etc. Donc, après ça, il se relève, mais personne ne pense qu'il va pouvoir survivre suite à ce genre de blessure. Donc, il va être pris en charge par le docteur Harlow, qui en fait est un peu un médecin de campagne, un médecin lambda qu'on n'aurait jamais connu s'il n'avait pas soigné Phineas Gage. Qui va le soigner avec les moyens du bord, hein, qui va essayer d'enlever les éclats d'eau, un petit peu comme il peut, etc. Au début, ça va bien. Après, il va faire un petit coma de quelques jours, puis il a une infection, mais contre toute attente, il survit. Et les premières constatations du docteur Harlow va être, finalement, il est en pleine forme, malgré qu'il ait reçu une barre qui est passée au travers du crâne, finalement, il n'y a pas de problème sensoriel, pas de problème moteur. À cette époque-là, c'est essentiellement ce qu'on connaît du cerveau. Et donc, s'il n'y a pas de problème sensoriel, pas de problème moteur, voilà, tout va bien. Et puis, un peu plus tard, deuxième constatation, on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas si indemne que ça. Il y a des changements de personnalité, des sautes d'humeur, des problèmes de planification, il devient plus vulgaire, il a perdu des inhibitions, il n'est plus capable de mener à bien finalement sa tâche et il va être finalement viré de son travail. Donc, il ne pourra jamais reprendre sa place de contrôle. Donc, en généralisant, par rapport au cas de Phineas Gage, mais également à partir d'autres études, on a pu déterminer que le rôle des lobes frontaux était plus particulièrement relié aux capacités cognitives de haut niveau. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité, l'humeur, les planifications, la mémoire, ce genre de choses. Ce qu'on appelle généralement les fonctions exécutives. Donc, c'est pour ça que il a laissé beaucoup de marques, il a laissé sa marque en neurosciences parce que c'est un cas exceptionnel de survivre suite à ce genre d'accident et de pouvoir travailler un peu sur sa blessure et comment il a récupéré. Alors, c'est intéressant, c'est vrai, ça a permis de généraliser, mais jusqu'à maintenant, il y a toujours des controverses qui vont perdurer au sujet de Phineas.
Pourquoi? Ben, pour la bonne raison que pour savoir s'il a récupéré ou non, il aurait fallu faire une évaluation neuropsychologique avant, ce qui n'a jamais été fait. On ne connaît pas sa vie avant, on n'a pas documenté sa vie avant, on dit juste oh, ben, il était sérieux, travailleur, etc. Mais dans le privé, comment était-ce qu'il était vulgaire? Est-ce qu'il disait des insultes? On ne le sait pas du tout, donc on ne connaît pas sa personnalité, donc c'est très difficile de parler de changement de personnalité. Qui plus est, je vais vous parler tout de suite un petit peu d'extrapolations informatiques qui ont été faites. On essaye de voir par où la barre est passée et combien de matière cérébrale, de cellules gliales elle aurait pu impacter, etc. Mais même à ça, il y a des éclats d'os également qui sont revenus dans le cerveau, qui ont pu détruire d'autres structures, son infection, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on ne connaîtra jamais. Donc, on ne peut qu'essayer d'imaginer, qu'extrapoler ce qui a pu se passer. Et qui plus est, hein, il faut le dire, même si dans l'ensemble, tous les êtres humains ont un cerveau similaire, etc., l'étendue de chacune des régions n'est pas complètement la même d'un individu à l'autre. Rajouter à ça, fait qu'on ne pourra jamais déterminer exactement qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas fait d'autopsie, on n'a pas fait d'IRM, bien évidemment, sur ce qui restait. On n'a même pas conservé le cerveau hein, de Phineas Gage. La seule chose qu'on a conservée, c'est ce qui était sur l'image d'avant, je ne voulais pas présenter, mais c'est que plusieurs années après sa mort, on a déterré son cadavre, on a prélevé son crâne et la barre de fer. Et elle est exposée, comme on le voit ici, au musée de la médecine de l'université d'Harvard. Donc, c'est quand même assez faible hein, ce qu'on a pour pouvoir travailler. Ce qui n'empêche pas plusieurs équipes. Donc, je vais vous présenter cette controverse. Donc, on a une première équipe qui est présentée sur l'image du haut par Damasio, entre autres, donc des neurologues, qui vont essayer de... par extrapolation informatique, de voir quelles sont les directions qu'aurait pu prendre la barre, puis qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence. Et ils en arrivent un petit peu en 94 à cette image-là qui est assez connue, puis qu'on voit assez régulièrement sur Internet, qui est donc la fameuse barre qui rentre par la joue gauche, qui passe au travers de l'œil gauche et qui ressort au sommet du crâne et de façon bilatérale. Donc, dans tous les cas de figure, on sait que c'est probablement le lobe préfrontal, voire orbitofrontal, donc vraiment le préfrontal du préfrontal, c'est-à-dire la partie la plus extrême du cerveau qui a été altérée. Donc, somme toute, ce n'est pas un territoire cortical très, très grand, mais comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir un territoire glial plus important avec des connexions. Dans la première interprétation, celle de l'équipe de Damasio, on parle d'une lésion bilatérale et on justifie au travers de ça que Phineas Gage n'aurait jamais récupéré et qu'il serait resté déficitaire tout le reste de sa vie dans les grandes fonctions exécutives. C'est cohérent avec sa perte d'emploi, son changement un petit peu d'humeur et de capacité à gérer des groupes d'hommes quand il a perdu son emploi au niveau du schéma. Sauf que ça, c'était quand même assez récent, on ne sait pas par la suite ce qu'il est advenu. L'autre, donc il y a plusieurs chercheurs, je ne les ai pas spécifiés ici, mais il y a Macmillan et d'autres, qui ont repris un peu les études, dont certains ont refait des extrapolations de trajectoire et en ont fait beaucoup plus que l'équipe de Damasio, dont celle qui vous est présentée, donc beaucoup plus de modélisation informatique. Et là, eux, ils en sont arrivés à la conclusion que si la lésion était bilatérale, l'angle de la barre aurait probablement fait complètement exploser la mâchoire. Donc, selon eux, si la barre elle est rentrée par la joue, qu'elle n'a pas fait exploser la mâchoire, ce qui n'était pas très droite, elle était plus de travers. Et donc, à ce moment-là, elle a essentiellement altéré le préfrontal gauche sans qu'il y ait trop de perte de matière cérébrale au niveau du préfrontal droit. Donc, dans ce cas-là, avec des périodes de recouvrement, de restauration, de récupération, on peut penser que la partie non altérée du cerveau ait pu prendre en charge certaines parties certaines fonctions, en tout cas de la partie altérée. Et ça serait soutenu par le fait qu'après plusieurs recherches, on s'est aperçu que à un moment donné, Phineas Gage avait disparu un petit peu de la circulation. On a retrouvé ses traces. Il serait parti au Chili. Il aurait été conducteur de diligence. Or,
pour conduire des diligences avec plusieurs chevaux, etc. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais semblerait que ça demande quand même une bonne coordination visuomotrice, ça demande des planifications. Donc, ça demande une gestion relativement complexe des informations qui n'aurait pas été possible si la lésion avait été bilatérale. Donc, ça supporte plus le fait que la lésion serait plutôt unilatérale et au niveau du préfrontal. Cela dit, comme je vous l'ai dit, on ne le saura probablement jamais exactement parce qu'on est dans l'extrapolation, on est dans l'imagination scientifique avec une certaine crédibilité, on s'entend, mais on ne saura jamais exactement qu'est-ce qui a été lésé au niveau cortical chez Phineas Gedge, au niveau glial non plus, et on ne sait pas non plus quelle était sa personnalité avant. Donc, extrêmement difficile de comparer l'avant et l'après quand on n'a pas l'avant. Malgré ça, ça reste un cas important à connaître dans l'histoire de la psychologie et ça a permis de démontrer, encore une fois, où à l'époque, ce n'était pas si connu que ça, qu'il y avait des fonctions sensorielles, il y avait des fonctions motrices, mais il y avait aussi des fonctions supérieures, des fonctions de planification, de personnalité, hein, qui étaient probablement plus, à ce moment-là, au niveau du préfrontal. Et ça a permis de commencer tout un tas d'études sur le rôle du préfrontal en tant que siège des fonctions exécutives, des fonctions supérieures et également siège de la personnalité. Merci d'avoir suivi et on se retrouve un petit peu plus tard dans une autre capsule. Je vous souhaite une bonne fin de journée.